Mais il y a déjà quelque temps que vous avez présenté cette opportunité? Alors moi, j'ai commencé à la présenter, on va dire, ça fait 7 mois que je suis dessus. Parce que je crois bien que je suis inscrite en fait déjà là-dessus, oui. Voilà. J'ai mis 100, oui. Voilà, donc Cryptex, c'est une solution juridique pour madame quelqu'un qui permet, c'est un contrat d'épargne qui nous est proposé par des banques d'investissement, des banques offshore avec des assurances. Donc c'est un contrat qui est un petit peu, c'est un dispositif financier. Sur ce livret d'épargne, le livret, il coûte 100 $ en Bitcoin et nous avons des livrets de 3 ans, de 5 ans, de 7 ans. 3, 5 et 7 ans. Sur un livret de 3 ans, vous payez 100 $ et vous allez recevoir pour démarrer votre investissement un capital. On paye 100 $ sur un livret de 3 ans et on démarre avec 30 240 $. Sur un livret de 5 ans et un livret de 7 ans, d'accord, vous toujours au même prix, 100 $, on reçoit 42 300 $ de capital au démarrage. Donc moi, j'ai 4 contrats, j'ai reçu 100 49 000 $ de capital pour préparer ma retraite, mes projets à venir, finir les études des enfants, peut-être acheter un appartement, voilà. Donc, on est vraiment sur une solution qui est sans vente, sans parrainage, d'accord, et qui est uniquement de la capitalisation. Ce n'est pas du MLM d'investissement. On est sur un MLM de capitalisation qui est là pour nous permettre d'avoir des hauts revenus. Pourquoi? On aura des hauts revenus, tout simplement parce qu'on va démarrer avec un gros capital. Je paye 100 $ mon contrat de 3 ans et je démarre avec 30 240 $ au travail de 0,10 à 0,30%. C'est bien, c'est le cas. C'est 30 240 $ au travail de 0,10 à 0,30%. C'est comme si demain, vous arrivez à votre banque et vous dites à votre banquier, voilà, je veux prendre un PEL ou un plan. Un épargne logement ou un PERP et je dépose 30 000 euros. Je commence avec 30 000 euros. Donc, on est vraiment dans ce cas. Quand on a un contrat de 3 ans sur lequel vous avez démarré avec 30 240 $, le bénéfice au terme pour vous, pour nous, il est de 35 097 $ minimum. Sur un contrat de 5 ans, le bénéfice, le capital qui vous est rendu après 5 ans, puisque pendant 5 ans, l'argent est à disposition, c'est une mise à disposition de capital. Donc pendant 5 ans, la banque, elle s'engage à vous mettre le capital à disposition pendant 3 ans, pendant 5 ans, pendant 7 ans. Et donc on a des bénéfices qui sont différents. 35 000 $ minimum pour un contrat de 3 ans, 477 000 $ minimum pour un contrat de 5 ans, et on est sur 1 million de dollars pour un contrat de 7 ans. Vous commencez avec 42 300 $. Capitalisé en intérêt cumulé de 0,10 à 0,30, le taux il est très bas et on termine à 1 million passé en termes de capitalisation sur 7 ans parce qu'on a commencé avec 42 000. Ces livrets d'épargne, on peut en avoir 50 sur un wallet et donc chacun on s'organise pour en mettre par rapport à nos besoins et par rapport à nos échéances de vie. Farid, tu as retrouvé le PDF? Je peux poser une question? Je vous en prie. Je suis Est-ce que vraiment. c'est garanti, ça, monsieur? Quand vous dites garantie, précisez votre question. Eh bien, Est-ce que est-ce vous... que, voilà, imaginons que je verse 100 euros aujourd'hui pour un contrat de 3 ans, est-ce que je D'accord. suis certaine que dans 3 ans, j'aurai 35 000 dollars? Alors, Minimum. la quantité, le solde, le bénéfice, les chiffres que je vous donne, oui. Maintenant, on est sur de l'investissement en ligne. C'est comme si vous me dites, est-ce que ma voiture elle va fonctionner toujours aussi bien dans 3 ans? Alors, on ne maîtrise pas le jeu. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous avons deux risques. Le risque, c'est quoi? C'est de perdre 100 $. Et le risque, le second, c'est d'attendre 3 ans. Donc, dans 3 ans, cette entreprise peut ne pas être présente. D'accord? Je ne suis pas devin. On peut ne pas être présent. Elle peut ne pas être là dans 3 ans. Mais je vais vous expliquer pourquoi nous pensons fortement et ce qui fait que nous pensons fortement qu'elle sera là dans 3 ans. On a plusieurs éléments très importants, entre autres, qui nous rassurent, je dirais, à ce niveau. La première chose, c'est qu'ils nous mettent le capital à disposition.
Donc, nous ne prenons pas le risque financier, c'est eux qui le prennent. Moi, je mets 100 dollars, eux, ils mettent 300 fois plus. Donc, le risque, c'est pour eux. Moi, je ne prends qu'un risque sur 100 dollars. Ils mettent le capital, donc ils s'occupent de la sécurité, ils s'occupent des fonds, ils s'occupent des contrats. Ça, ce n'est pas notre problème. On n'est pas là pour traire la vache, on est là pour boire le lait et profiter du petit lait, profiter de notre système. La deuxième chose, le contrat, c'est une mise. Farid, j'attends vraiment que tu me trouves ce PDF, hein, s'il te plaît. Je l'ai, mais il ne veut pas s'ouvrir. T'inquiète, j'arrive. J'allais pour deux Ok, d'accord, minutes. je te remercie. Mais quel est leur avantage de faire ça? J'ai un peu de mal à comprendre. Hein. Voilà. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils le font. Quand vous êtes payé sur votre livret d'épargne de 0,10 à 0,30% D'accord, par jour, oui. ça veut dire que pour la banque qui nous a mis l'argent, il lui reste 99,70%. Nous, on nous donne 0,30% maximum et eux, ils gardent 99,70%. Quand ils mettent l'argent à disposition, à notre disposition, c'est comme s'ils nous font un crédit. Donc, il y a un taux d'intérêt et il y a un loyer, il y a un remboursement. Sauf que dans ce cas, le remboursement, il est en automatique. Il n'y a pas de prélèvement, il n'y a rien. On ne vous demande pas de prélèvement, pas de GRIB, vous ne sortirez pas votre carte bleue. D'accord? Tout est calculé en automatique. Ils mettent l'argent à disposition. Nous, nous gagnons de l'argent tous les jours sur notre wallet. La banque, elle se prend 99,70% des bénéfices tous les jours. Eux, ils gagnent aussi de l'argent tous les jours. S'ils nous mettent de l'argent, c'est pour que eux, ils en gagnent. Ils ne peuvent Mais pas, pourquoi est-ce la qu'ils ont banque, besoin de nous? parce que la banque, dans un principe bancaire, la banque ne peut pas prendre de l'argent pour investir pour elle-même. Et encore moins l'argent de ses partenaires, de ses clients. C'est interdit. Quel que soit le pays. D'accord. Ce n'est pas possible. Ok, Sinon, d'accord. ils prendraient notre argent, ils feraient des bénéfices, sinon on n'aurait rien. Ils sont Et ça obligés. existe depuis combien de temps? Alors, ça existe depuis. Alors, le début du projet date de 2017. C'est en activité. Ils ont commencé en 2019. Ils ont déjà passé le cap des 3 ans. Et les premiers contrats de 3 ans ont été payés. D'accord. Bon. Donc, quand ils nous mettent l'argent à disposition, c'est pour, un, gagner de l'argent tous les jours sur nos contrats. Il y a à peu près aujourd'hui près de 20 000 utilisateurs Cryptex. Ce n'est pas beaucoup. Mais il y a plus de 260 000 contrats en activité. D'accord? Il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais chacun des utilisateurs, on a 7, 8, 9, 10, 20 contrats. Donc on a beaucoup de contrats. Pas beaucoup d'utilisateurs, mais beaucoup de contrats. Il y a plus de 240 000 contrats. Pour vous donner une idée, rien que dans mon équipe, dans mon réseau personnel, il y a 753 contrats actifs. Rien que dans mon réseau, tout petit, en 7 mois. 753 contrats actifs. D'accord? Donc, Donc, c'est aussi un marketing de réseau. c'est aussi un marketing de réseau, mais ce n'est pas une obligation. Absolument pas. Et c'est d'ailleurs pour cela, c'est parce que ce n'est pas une obligation, c'est pour cela que ça a mis du temps à arriver. Je vous explique. Aujourd'hui, votre voisin, votre frère, votre neveu, votre cousin, il ne vous dit pas, j'ai tel complément de retraite, j'ai tant sur mon compte en banque, j'ai X compte en banque, j'ai une assurance vie avec tel capital, j'ai une épargne retraite, une complémentaire retraite, ou une épargne salariale de ma société, où je suis actionnaire. On parle de patrimoine financier. On parle de nos comptes en banque personnels, de nos capacités d'argent, de trésorerie. Donc, c'est très intime. Et depuis 3 ans, en fin de compte, ils ont commencé, Cryptex a commencé en 2019, et depuis 3 ans, ça s'est pas parlé sur les réseaux sociaux. Nous sommes plus de 1035 personnes dans mon réseau, et personne ne va sur Facebook avec un lien Cryptex, alors que nous sommes plus de 1000. Et les gens sur Facebook, ils ne savent même pas qu'on existe. Donc, c'est un business qui est vraiment dans l'anonymité. Vraiment dans l'anonymité. Et depuis 3 ans, en fait, compte, les gens, les familles en Allemagne, puisque ça a commencé en Allemagne, ben, ça s'est passé sous le bord, ben, dans la chambre familiale du couple, ça s'est passé autour de la table du salon, au bord de la piscine, sur le terrain de golf, dans un bar, et tu prends ton contrat et tu n'en parles pas. Pourquoi je vais en parler? Je prends mon contrat de 5 ans. Je sais que dans 5 ans, je vais avoir 477 000. Pourquoi je vais en parler? Je n'ai aucune obligation d'en parler. Et j'ai même des amis à qui je n'en parlerai pas. Pourquoi je vais leur dire, tu peux avoir 1 million? Moi, je veux bien les avoir les 1 million. Je ne sais pas ce que je veux en parler. Donc, vous imaginez que
quand vous avez 10 contrats et que vous avez reçu 10 fois 30 400, vous avez 300 000 $ sur le back-office. Et quand si la personne elle a un peu de moyens et qu'elle a pris 10 contrats de 5 ans, mais elle a reçu encore 420 000, mais vous avez un back-office. Moi, j'ai un partenaire, il a 21 contrats, il a 880 000 $ sous son back-office. Vous voyez, il a 800. Donc, quand vous avez, moi, j'ai à peu près 180 000 $ sur mon back-office. Mon back-office, je ne vais pas le montrer. Je ne vais pas en parler. Vous avez des gens qui ont 3 millions, 4 millions sur leur back-office. Personne n'en parle. Pourquoi en parler? C'est une question de sécurité personnelle. Si vous avez un contrat, deux contrats, et puis que vous prenez les contrats au fur et à mesure, vous allez vous retrouver avec un capital important sur votre back-office. C'est une question de sécurité personnelle. Vous n'allez pas en parler aux gens. Vous n'allez pas vous mettre en difficulté au risque de vous faire braquer, agresser, parce que les gens ils vont croire que vous avez de l'argent, alors que ce n'est que de la location de capital. La banque, elle nous loue le capital. Tous les jours, le contrat prévoit qui passe entre la banque, vous et nous, prévoit que, un, la banque gagne de l'argent tous les jours, sans interruption, et que, deux, tous les mois, que la banque, elle effectue sur nos livrets un prélèvement en automatique. Donc, pour un contrat de 3 ans, la banque, elle va prélever 240 $ tous les mois dans les gains de mon contrat. Tout un contrat de 5 ans, ils vont prélever 330 $ tous les mois. Et tout est automatique. Donc, je prends un livret de 3 ans. La banque, elle met le capital. L'assurance va couvrir le capital, le livret. Eux, ils vont gagner de l'argent comme moi tous les jours. Et tous les mois, dans mes gains, la banque, elle va faire son prélèvement. Donc, quand la banque, elle met le capital, c'est pour avoir des gains tous les jours. Et 36 prélèvements sont en contrat de 3 ans, 60 prélèvements sont en contrat de 5 ans et 84 prélèvements sont en contrat de 7 ans. Donc, quand ils mettent l'argent, c'est pour gagner tous les jours et avoir des prélèvements, comme s'ils avaient fait un crédit et qu'il fallait les rembourser. Donc, en fait, quand nous prenons un contrat, on leur fait gagner de l'argent d'abord. Farid, je t'écoute. Ça y est, je suis arrivé. Ok, c'est bon, tu peux prendre le partage, s'il te plaît? Alors attends, je vois comment ça fonctionne, ce qui décolle. C'est le rectangle avec la flèche blanche. Bouge pas, je vois. Attends. Là, c'est comme. Ah oui, je vois. Ça y est, boum. J'ai cliqué dessus. Après, qu'est-ce qu'il me demande? Fenêtre. Fenêtre où on met. Alors, attends, il est là, je ne l'ai pas ouvert, je vais l'ouvrir. Il faut d'abord que tu ouvres ton document. Bouge pas, mon gars. Et après, je mets. Ah, ça y est, je l'ai là, je clique dessus. Partager. Sais pas si tu le vois. Non. Pas encore. Il est en train d'arriver. Je Parfait. l'ai dit, moi. Parfait, super. Il n'est pas Tu es en au plein début, écran? Tu es en plein là. Ah, écran? voilà. Je Voilà, mets en parfait. plein écran? S'il te plaît. Là. Après, là, je suis à la page 10, je crois. C'est dommage qu'on se passe là. Je peux te le mettre au début, si tu veux. Bah, je t'entends plus, Ronnie. Alors, je ne sais pas si c'est moi. Vous m'entendez? Ah. Oui, on t'entend très bien. Ah, merci. Je me commence à m'inquiéter. J'ai mais. C'est Ronnie qui a disparu alors. Ouais, peut-être qu'il a un petit souci de réseau, ça arrive souvent chez lui. Ok. Surtout après le passage de la tempête Philippe, là, qui nous a un Voilà. petit peu malmené. Ouais. Exactement, ouais, c'est vrai. Voilà, il est là. Je suis là, Farid. En fait, Bon, ça j'ai pris va. la. Non, je suis en train de changer de. Je suis en train de changer de fournisseur. Et d'ailleurs, c'est le service technique qui m'appelait. Je vais peut-être passer sous la fibre en coin de semaine. Et donc, j'ai le service D'accord. technique qui m'appelait pour. Et comme je suis en partage avec mon téléphone, une fois Oui. que j'ai. Voilà. Donc. Alors, ce qui est Madame Guillaume. Voilà. On a Madame qui a coupé.
Ce qui est important, là, on est sur un contrat. Alors, prends le contrat de 3 ans, Farid, de 3 ans. Ouais, attends, je vais voir s'il est au-dessus, non? Il est en dessous. Ah, il est là, il est là. Voilà, le 3 ans. Ah merde, je voulais agrandir un peu. Là. Prends la partie chiffrée. Ah, il est là, voilà. Ouais. Ici. Okay, la partie chiffrée. Alors, je ne sais pas si Mme Guillon voit correctement, hein, parce que pour moi, c'est un peu flou. Comment? Est-ce que vous voyez correctement le tableau? Oui. D'accord. Alors, vous démarrez. Là, c'est l'exemple du contrat de 3 ans, pour vous montrer comment c'est réaliste. Parce que quand on va dans les business, par exemple, on vous dit, vous allez gagner 1% par jour, entre autres. Si vous mettez, on va prendre un business où vous mettez 100 $ et un business qui vous paye à 1% par jour. Ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous avez vos 100 $ plus 365 $ de gains. Donc, vous avez 465 $. Vous avez mis 100 $ à 1% par jour, vous avez 465 $ première année. La deuxième année, vous allez gagner 4,35 $ par jour sur 365 jours, on va dire 1,300 $ à peu près. On va arrondir à 1,004 plus vos 465 $, vous aurez à peu près 2,000. Et la troisième année, vous serez à, on va dire, ça va vous ramener à peu près entre 7 et 9 000. Donc, quelqu'un qui met 100 $ aujourd'hui sur une plateforme qui paye à 1%, on va dire, dans le meilleur des cas, il va partir avec 6 000-7 000 $ dans 3 ans. D'accord? Aujourd'hui, on a un contrat qui est un contrat, on va dire bonsoir aussi à M. Séverin et à Mme Pékin est revenue. On a un contrat qui est un contrat de 3 ans. Cryptex, ils nous disent, je vous évite toute la partie formaliste, Dior et tout ce qu'on a fait. Ça fait 7 mois qu'on est dessus. On a le leader Théodore depuis la Côte d'Ivoire qui arrive. Et donc, nous, ça fait 7 mois qu'on travaille Cryptex. Pour le moment, tout le monde est super content. On a des retraits qui passent sans aucun problème. On a un service technique. On a une astreinte du lundi au vendredi avec Cryptex. Vous avez une ligne Zoom. Si vous avez le moins de problèmes, vous rentrez et vous discutez avec quelqu'un. On n'est pas perdu. Bonsoir, Aman. Bonsoir, leader digital. On n'est pas perdu. Avec Cryptex, vous envoyez un mail où vous faites un ticket au support à 10h. À 10h30, on vous a répondu. N'attendez pas 24 heures. Vous faites un retrait, vous faites une demande de retrait à 10h. À 16h, 6h plus tard, vous êtes payé. C'est d'une rapidité, d'une simplicité et d'une puissance fantastique. Fantastique. Moi, en 6 ans, je suis bluffé parce que je ne suis pas encore tombé. Pourtant, j'ai une, deux autres plateformes très professionnelles. Mais là, au niveau professionnalisme, ils ont mis la barre très haut. Avec Cryptex, sur un contrat. Alors, ils nous proposent des livrets d'épargne. À l'écran, on a la partie, le plan de développement. Ce plan de développement, il prévoit quoi? Que sur un contrat de 3 ans, le rendement, il est de 0,10 à 0,30. On n'est même pas au demi-point. On n'est même pas à 0,5. Donc déjà, ils ne prennent pas beaucoup de risques pour aller loin. Ceux qui vous promettent 1%, 2% au-delà, ce sont des prises de risques inconsidérées. Et c'est pour ça que ça se scame. Là, on est en dessous du demi-point. 0,10%. Le premier palier, la première petite marche, 0,1%. 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, vous êtes au demi-point. On est au ras des pâquerettes, 0,10%. La simulation que vous avez à l'écran, c'est une simulation sur 100 $ sur un livret de 3 ans, capital de départ que vous avez mis à disposition par la banque, 30 240 $, et une première journée avec un tableau en intérêt cumulé. Ce tableau qui vous est présenté par Farid. Ce tableau présenté par Farid, il comprend, alors, je vous le donne de tête, une première journée qui doit être à 30,64 $, calculée sur 0,10. Tout le tableau, il est calculé sur le minimum de rendement que nous promet Cryptex, 0,10. Sauf qu'on paye 100 $ et on commence avec 30 240 $ fois 0,10. Voilà ce que nous avons fait. 30 240 $
fois 0,10. La première journée, on est à 30,64 $, quelque chose comme ça, de mémoire, parce que je n'ai pas le flyer sous les yeux, parce que je suis bloqué. Seconde journée, on doit gagner 30,67 $ ou 87, quelque chose comme ça. Et on va partir en effet cumulé pendant 3 ans, mais avec 30 240 au départ. Et au bout de 3 ans, en fait, le contrat, il comprend que tous les jours que la banque, elle gagne de l'argent, nous avons reçu 30,64 $ ou 84 pour la première journée sous le tableur, sous la simulation. Ça veut dire que la banque, elle aussi, elle a gagné de l'argent tous les jours. Donc, quand ils mettent le capital, c'est pour que nous soyons payés 30,64 $ minimum sur un contrat de 3 ans, pour que eux, ils prennent aussi leur part. Vous allez à un mariage, vous avez les pièces montées, avec plein de choux à la crème. Vous donnez l'image. Vous savez, plein de choux à la crème. D'accord? Vous prenez un chou, ça c'est notre part. Et tout le reste de la pièce montée, ça c'est la part de la banque. Pour vous donner une deuxième idée, quand Cryptex gagne 100 $, notre part, c'est 30 centimes. Sur 100 $, nous on reçoit 30 centimes maximum. 30 centimes maximum. Eux, ils gardent 99,60, 99 $. Farid, on te voit. Tu t'arranges? Mais tu es sur ta cam, donc c'est bien de ranger ton calbut. Donc, sur 80, sur 100 $, nous on reçoit 30 centimes maximum et eux, ils se gardent la plus grosse part du gâteau, 99,70 $. Donc la simulation que vous avez à l'écran, elle est faite sur 0,10% par jour. C'est rien du tout. Pour une banque, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Et quand on commence une capitalisation avec 30 240 $, vous terminez au bout de 3 ans avec 66 680 $, quelque chose comme ça. La banque, elle prélève ses frais tous les jours. Elle récupère son bénéfice, pardon, tous les jours. Et tous les mois, elle va faire son prélèvement. Sur un contrat de 3 ans, ils vont prélever 210 $ pour la partie assurance. Ils vont prélever 30 $ pour les frais de gestion en Cryptex. Ils vont prélever aussi le taux de crédit, d'accord, le crédit, puisque c'est un crédit qu'ils nous font. La banque, elle a mis l'argent à disposition, elle nous a ouvert une ligne de crédit. C'est comme si elle nous a fait un crédit de 30 240 $. J'ai noté votre main levée, madame quelqu'un, elle nous a fait un crédit, et tous les mois, pour être sûr que ça va C'est aller une au bout, erreur. d'accord, parfait, pour être sûr qu'ils vont au bout, eh bien la banque, elle va prélever en automatique sur les contrats. Donc, quand ils mettent de l'argent pour nous, c'est pour prélever en automatique. Donc, ne vous inquiétez pas, ils ne nous font pas de cadeau. Ce n'est pas un cadeau qu'ils nous font. C'est nous qui leur permettons de gagner de l'argent. Ils ont besoin de nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'argent et l'investir pour eux-mêmes. Ils sont obligés de créer un service. Ce service, c'est Cryptex. Donc, je paye 100 $ l'accès à mon capital de départ. Je paye 100 $ de frais de dossier pour pouvoir accéder à un capital de départ de 30 000 ou de 42 000, selon le contrat que je choisis. Je paye mes 100, la banque met l'argent, l'assurance va couvrir, mon contrat il va courir pendant 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Pendant 3 ans, je ne peux pas toucher au capital, je ne peux pas toucher aux intérêts. La banque, eux, ils gagnent de l'argent tous les jours et ils prennent des prélèvements tous les mois. Sur un seul wallet de Cryptex, sur un wallet de paiement de Cryptex, ils ont 2 660 milliards de dollars de Bitcoin, en valeur Bitcoin. Je ne dis pas 2 660 milliards de dollars fiat, mais je dis en valeur Bitcoin. C'était les données qu'on avait à peu près un mois et demi. 2 000 sur un wallet. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas l'inquiétude de savoir s'ils si ont l'argent pour nous payer parce qu'ils l'ont. Ils l'ont. Là, on peut vous passer les vidéos, les Farid a fait il a d'ailleurs aussi cette vidéo, puisque c'est lui qui a fait la transcription française, puisque la vidéo, elle était à l'origine en anglais et traduite en allemand. Farid nous l'a ressorti en français. Le sous-titrage vient de Farid. Et là, on a vraiment la certitude de la capacité financière. C'est la première chose. Ensuite, sur un contrat de 3 ans, comme vous l'avez à l'écran, le minima à 0,10, ça veut dire que quand on a soldé le contrat, que la banque a récupéré ses derniers frais, ses derniers loyers,
les derniers taux d'intérêt sur le crédit, elle a soldé la police d'assurance, et la banque aussi récupère le capital. Les 30 000, ils les récupèrent, ils ne nous les donnent pas. Ils récupèrent leur argent. Ils nous louent un capital pendant 3 ans, 5 ans, 7 ans, et ils nous font payer la location du capital en automatique sous les wallets. Donc, plus je prends un contrat, plus la banque, elle gagne de l'argent. Dès que j'en prends un, ils font jackpot. J'en prends un second, ils font jackpot. Moi, je dois attendre 3 ans. Mais eux, ils font jackpot, jackpot tous les jours et tous les mois. C'est pour cela qu'ils nous mettent l'argent. Et maintenant, ils n'ont même plus besoin de faire des crédits auto, des crédits... Non, ils font des contrats comme ça, ils sont sûrs de récupérer leur argent. C'est beaucoup plus profitable pour eux. Il n'y a pas de saisie, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de chèque de retour, de solde sans provision, ni de RIB à changer, ça n'existe pas. D'accord ? Donc, pas d'huissier, pas de litige, pas d'avocat, pas de tribunaux, pas d'avis à tiers détenteur, pas d'expulsion, pas de saisie, ça n'existe pas. Donc, ils ont des contrats qui sont 100% techniques, d'accord ? Viables. Ils mettent l'argent, ils le couvrent, ils assurent la sécurité informatique, ils font les prélèvements en automatique, et comme arrivé au bout, au 36e prélèvement, ils récupèrent en plus leur argent. Donc, c'est tout jackpot pour eux. C'est jackpot, jackpot, jackpot pour eux. Et sous les tout petits 0,3% maximum, nous, que nous recevons, ils prennent les prélèvements. Donc, c'est pour cela que, un, quand vous recevez 35 000 dollars, parce que les premiers Allemands, ils ont reçu l'argent, ça c'est clair. On n'a aucun doute là-dessus. On n'en a aucun. À plus de 3 ans et demi d'activité, ils ont démarré avec des contrats de 12 mois et des contrats de 24 mois. Nous n'avons aucun doute. Franchement, on est à 100% sûr, clair, que tous les contrats de Cryptex sont payés. Vous tapez Cryptex, vous verrez aucune remarque négative. Personne, il n'y aura pas une seule remarque de dire qu'il va vous dire. Vous allez toujours voir quelqu'un qui va vous dire que c'est un scam, mais vous ne voyez personne qui vous dira que je n'ai pas reçu mon contrat n'a pas été payé. Ça n'existe pas. Tout le monde a été payé. Ils sont carrés de chez carrés. Tout le monde a été payé. Donc, quand on nous donne 35 000, c'est une misère. Il faut bien comprendre qu'ils ont pris 50 millions. Nous, on a reçu 35 000, mais ils ont pris 50 millions. C'est une misère qu'on a reçue. Farid, tu peux montrer le 5 ans, s'il te plaît ? Et ça, Madame Guillon et Madame... alors, elle est repartie. On n'a pas besoin de parrainer. Vous prenez votre contrat, Botus, Bouscouji, vous m'en parlez à qui que ce soit. Ce qui vous intéresse, c'est d'avoir vos 35 000 dans 3 ans. Donc, vous prenez vos contrats et vous faites vos affaires pour vous. C'est tout. Les gens, ils veulent pas. Ce qui est intéressant, c'est que vous, Madame Guillon, dans 3 ans, pour vous aider dans la retraite, pour vous aider dans ce que vous avez à faire, parce qu'il y a toujours une chute, une baisse de nos moyens financiers. Quand on part à la retraite, on perd près de la moitié de ses revenus dans beaucoup de cas. Eh bien, il faut compenser. Donc, pensez à vous. Pensez à vous. Ne vous occupez pas de parrainage, ce genre de choses. Pensez à vous. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est pensez à vous. Prenez vos contrats pour vous. Pour vous. À votre rythme, selon vos moyens, prenez vos contrats pour vous. Sur un contrat de 5 ans, le bénéfice est d'à peu près de 480 000 dollars. Même si vous n'avez qu'un seul contrat, et que dans 5 ans, vous recevez 487 000 dollars, ça fait du bien. Ça fait à peu près 350 000 après impôt. 350 000 après impôt. Et aujourd'hui, quelqu'un qui... On a un partenaire, moi j'ai un partenaire qui investit 300 dollars tous les mois, un 3 ans, un 5 ans, un 7 ans. On n'a pas tous les mêmes moyens, on n'est pas tous logés à la même enseigne, fort heureusement d'ailleurs, c'est ce qui fait le plaisir de la vie, c'est chacun il va en fonction de son rythme. Moi j'ai des partenaires qui ont davantage de contrats que moi, alors que c'est moi qui leur ai montré le truc. Donc moi des contrats, j'en ai 4. Mais j'ai bien l'intention d'en mettre, il nous reste 3 mois pour la fin de l'année, il y a de fortes chances que je reprenne 3 contrats pour la fin de l'année, un contrat par mois. Pourquoi ? J'ai 55 ans. 7 ans, 55 plus 7, j'ai fait le calcul pour moi, 57 plus 7, ça me fait 62. J'arrive, même avec un contrat de 7 ans,
j'arrive 2 ans avant l'âge de départ à la retraite. Donc, j'ai tout intérêt à prendre un contrat de 7 ans pour 1 million de dollars. Vous imaginez? Un contrat de 7 ans, vous commencez avec 42 000 capitalisés pendant 7 ans. Ça finit à 1 million. Ça finit à 1 million. C'est pour ça qu'on a ces hauts revenus. C'est pour ça qu'à Cryptex, c'est dommage parce que les back-office descendent en flyer, Farid. Je vais vous montrer une capture de back-office d'un Allemand, vous allez voir. Descends. Tu es en bout de parcours? Ton micro est fermé, Farid. Oui, je crois que j'en ai un deuxième. Il faut que je regarde. Voilà, non, ne bouge pas. Remonte. Il est plus haut. Ce que je cherchais plus haut. Ah, bon, d'accord. Il doit être un petit peu avant les plans, là. Remonte un peu. Ah, d'accord. Remonte. C'est l'image du back-office, là. C'est le back-office que je voulais voir. La capture du back-office. Ah, je monte. Ça te parle ou… Non. Parce que je ne sais pas si c'est le même que quand tu as la présentation, toi. Non, apparemment, tu as une version courte, toi. Oui, j'ai la version courte, exact. Je n'ai pas la même que la tienne, il me semble. Alors, vas-y, redescends pas à pas, que je regarde. Donc, les back-office, vous savez, les Allemands, ils ont 21 contrats. Les 21 contrats, il y a 1,2 million, 1,7 million au travail. C'est pas ça. Vas-y, on va y arriver. Continue. Bride. Continue. Non, tu l'as pas. Tu as la version courte, toi. J'ai la version courte sur moi, ouais. Désolé. La version. Bah, elle est pas mal non plus, mais ouais, mais elle est plus courte, toi. Non, tu as la version courte. J'avais remarqué que tu n'avais pas la même. Bah, moi, des versions, j'en ai 3. Ah, d'accord. J'en ai 3. Là, ça t'aide pas non plus. Non. Tu n'as pas un endroit, tu n'as pas un flyer avec, avec les retraits et tout avec, Ça, non, je ne l'ai pas. Je crois que j'avais que ce PDF, il me semble. D'accord. Fais-moi penser à t'envoyer. Là, il y a les contrats, ben oui, comme tu as fait tout à l'heure. Okay. Après, on a le contrat de 5 ans. Voilà, ça tu as expliqué. Avec les gains. Bon, voilà, c'est ça l'avantage. Donc aujourd'hui, par exemple, vous prenez 100 dollars, vous avez le choix. Soit vous mettez 100 dollars dans une entreprise et vous dites, voilà, dans le meilleur des cas, si elle est là dans 3 ans, j'ai 9, 10 000 avec mon billet de 100 et encore, ça m'étonne. Je pense que le billet de 100 va arriver à 5 000, 6, 7 000 soit en capitalisant. Ou bien je prends 100 dollars pour avoir 35 000. C'est toujours le même billet de 100 dollars. Pourquoi on est sûr? C'est parce que eux, ils veulent les mensualités. Une banque, ce n'est pas le capital qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir des contrats qu'ils payent tous les jours. Tous les jours, d'avoir des tombées journalières, de la mensualité qui tombe tous les jours. C'est comme les sociétés de prestations de services. Elles ont des prestations qui sont payées tous les jours. C'est beaucoup plus rentable que d'avoir un produit à vendre tous les jours. Parce que même si vous ne vendez pas et que vous avez des contrats de maintenance, des contrats de location qui tombent tous les jours, c'est la rentrée d'argent. C'est ça le plus important. La banque, pareil, ils veulent les mensualités. Et il faut bien qu'ils récupèrent aussi leur capital. Pour récupérer le capital, ils vont au bout, au terme des contrats. Ils vont au terme des contrats. Au terme du contrat, ils récupèrent leur capital. Donc, non seulement ils ont l'argent pour nous payer, mais l'argent, mais vraiment, ils sont blindés. Ils mettent l'argent à disposition. Nous, on a aucun doute sur le fait d'être payés. Moi, j'ai fait un retrait de Cryptex. Je ne me suis même pas posé de questions. Je fais clac, clac, clac. C'est arrivé en 6 heures. On est payé en 5 heures. Vous faites une demande en Bitcoin, dans les 5 heures, vous êtes payé. Si vous avez un problème, vous voulez discuter avec quelqu'un, partager votre écran comme vous le faites, vous avez la possibilité, de vous connecter avec Cryptex, vous avez un Zoom, vous avez quelqu'un, il parle en anglais, on est plusieurs à parler, moi je parle anglais. Si vous avez un problème, vous me dites, Tony, je veux partager, je viens avec vous au rendez-vous, on partage et j'échange avec eux pour vous. On a un contact humain. On parle avec les gens, on échange avec eux. D'accord? On a un service sur un back-office qui est impressionnant. Je vous dis, vous faites un ticket à 10h, quand il est 10h30, ils vous ont répondu. Hein. Confirmation par mail que l'événement il est pris en compte.
confirmation que l'événement il est traité, et un troisième mail pour vous demander s'il n'y a pas un autre problème encore. C'est vraiment très, très, très professionnel. La seule chose, on ne sait pas qui est derrière. On ne connaît pas le nom des banques, on ne connaît pas le nom des assurances. C'est tout. Mais sinon, au niveau capacité financière, franchement, moi, je vous dis, c'est devenu, c'est passé en 6 mois, c'est devenu mon business principal. Rien d'autre. Et pour, faut vraiment que ce soit vraiment une société intéressante, parce qu'aujourd'hui, pourquoi j'irais mettre, par exemple, pourquoi j'irais mettre 100 $ sur X ou Y? Je n'ai pas d'avantage. Il faut que je diversifie. Bien sûr, on diversifie. Aujourd'hui, j'ai fait une autre transaction pour une autre compagnie. On diversifie. Mais si on regarde les avantages, le montant, ben moi, je préfère avoir 100 $ dans, prendre 100 $ aujourd'hui pour avoir 35 000 dans 3 ans. Plutôt que de prendre 100 $ et de les risquer sur une plateforme qui va tenir 3 mois, 4 mois, 6 mois à peine. Je peux, voyez un peu le niveau de risque. Il n'est pas le même. Le niveau de bénéfice n'est pas le même. Parce que je vais aller risquer 100 $ pour avoir 5 000, et là, je risque 100 $ pour en avoir 35 000 minimum, ou 477 000. Et le temps reste le même, parce que si je dois comparer 3 ans sur la plateforme X et 3 ans sur Cryptex, bah, j'ai avantage Cryptex, quelle que soit la plateforme, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'entreprise que vous avez trouvée pratiquement sur les réseaux, il n'y en a aucune, il n'y en a aucune, qui va pouvoir vous donner 470 000 dans 5 ans avec un billet de 100. Il n'y en a aucune. Ça ne passe pas. Ça passe pas. Et c'est pour ça qu'on est, on sait qu'ils vont tenir le coup. Pourquoi? Parce qu'à la fin des contrats, il faut qu'ils récupèrent leur capital. C'est de la mise à disposition. C'est de la mise à disposition. Et on sait aussi qu'ils veulent la totalité des mensualités. Donc, ils vont au terme des contrats. Sur un contrat, sur le contrat de Josette, je dois prendre 36 mensualités. La banque, sur ton contrat, Josette, prendra 36 mensualités. C'est clair. Ils vont au bout du contrat et à la fin, 36 mensualités, ils soldent. Voilà ta part. Eux, ils se sont gavés pendant tout le passage. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on a beaucoup de certitudes sur les paiements Cryptex. Beaucoup. Moi, je mets... sincèrement, ce n'est pas que je veux m'enflammer parce que, pareil, on s'est pris Farid, pareil, on s'est pris 2-3 scams il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 mois. On ne veut pas s'enflammer. Mais je dirais que on est à peu près sur du 90% réaliste et réalisable. 90% réaliste et réalisable. Je, personnellement, je mettrais 97%. D'accord? Je mets, voilà, je dirais 90% pour tout le monde. Mais personnellement, moi, je suis à 97%. Dans 3 ans, ils sont là et je prends mon argent. 90%. 17%. Parce que ce même taux, je ne peux pas l'avoir sur notre plateforme. Impossible. Impossible. Sur cette plateforme, je mets 50%, 65% que ça tienne 8 mois, 1 an, et pas 3 ans. Voilà. Donc, le coût du contrat, Madame Guillon, il est de 100 $. D'accord? Oui, j'ai trouvé maintenant, je suis déjà inscrite là-dedans. D'accord. Vous aviez déjà un contrat? Il y a déjà quelques temps, hein, oui. Oui, oui, j'ai retrouvé. Alors, Cryptex, si vous invitez quelqu'un à découvrir Cryptex, vous recevez 30 $ de commission directe. Donc, ça veut dire qu'avec 3 personnes qui prennent un contrat, 3 ans, peu importe, hein, 3, 5 ou 7, vous avez pratiquement 90-100 $ qui tombent. D'accord. Déjà. Mais on peut faire des retraits si on veut ou pas? Alors, ça dépend. Ou bien, l'argent est-il bloqué pour 3 ans L'argent, il est bloqué pour 3 ans. Et comment vous faites des retraits sur les parrainages, c'est ça? Non, on fait, voilà. Donc, tout ce qui est parrainage, on a un programme de parrainage avec la première commission, elle est à 30 $. Et ensuite, on a, si vous connaissez le parrainage, on a 10 niveaux en fait au total. Donc, on reçoit beaucoup de 5 $, de 4 $, de 3 $ sur les contrats de 3 ans, de 5 ans et de 7 ans. Et comme c'est un produit qui intéresse beaucoup et qui se développe relativement bien, pourquoi? Parce que sur peu de personnes, il y en a 2-3 qui démarrent tout de suite. Vous en parlez à peu de personnes, vous en avez 1-2 qui démarrent tout de suite. C'est 1-2, on parle à peu de personnes, il y en a 1-2. Donc, en fait, si vous voulez, Cryptex est fait de manière à ce que, en fait, vous recevez 65% de commission sur les contrats. 65%.
de commission sur les contrats. Donc, on reçoit d'abord 30 dollars, le niveau 1. Ensuite, je crois, du niveau 2 au niveau 5, on reçoit 5%, donc 5 dollars. Ensuite, 6 à 7, on reçoit 4%, donc 4 dollars. Ensuite, après, de 7 à 10, je crois, on reçoit 3%, donc 3 dollars. Donc, contrat 3 ans, 5 ans, 7 ans. Peu importe, là où un contrat se prend, on prend une commission. Le retrait, il est à partir de 100 dollars. Il est payé dans les 5 heures. Dans les 5 heures, vous recevez votre argent. Pour le moment, moi, j'ai fait plus de 6 heures, mais c'est parce que j'ai fait la demande le soir et puis le lendemain, après mes 6-7 heures, j'ai été crédité. Donc. Mais sinon, la plupart des partenaires qui ont fait des retraits Cryptex, ça a été à peu près 4h30, 5 heures de délai moyen de paiement. Payé en Bitcoin. Confirmation par mail, une vérification par mail. Il y a aussi un KYC, puisqu'il y a le KYC sur Cryptex. Et puis aussi, ils ont prévu, très chose très importante, ils ont prévu que si le propriétaire d'un wallet décède, j'ai un wallet, je viens, je pars, je fais un accident de la route, je viens à décéder, comment mes enfants font pour récupérer ce capital? Ça aussi, c'est prévu. Il y a plein de choses de prévues, vraiment. Autre chose, en Allemagne, ils en sont à la carte Visa Cryptex. Ils utilisent déjà... ils ont la carte Visa Cryptex en Allemagne. Hein. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça. Ils ont la carte Visa Cryptex et ils ont fait rentrer une passerelle pour que les gens en Allemagne aussi déjà prennent le contrat Cryptex directement avec ta Visa. D'accord. Ils ont fait une... directement avec la Visa. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin de faire de transaction, tu prends ta Visa, tu achètes ton contrat Cryptex. Ah, d'accord. D'accord. Pardon, Josette? Non, j'ai rien dit. Voilà, non, donc. Je n'ai pas parlé. Voilà, d'accord. Je comprends. Bon, petit Ronnie, j'étais obligé d'y aller. Oui, moi aussi. De toute façon, je vais être obligé de vous libérer. Je libère tout le monde. J'ai passé un peu de temps sur mon ordi là dans le week-end pour pouvoir le nettoyer, le vider parce qu'il rame complètement. D'accord. Et ça fait une semaine que je suis en galère avec. Donc, entre autres, donc il faut que je m'en occupe un petit peu. Et puis, Farid, on se parle demain, si tu veux, tranquillement, à moins que tu sois en concert. Pas de souci. OK. Il n'y a pas de concert ce week-end? Non, la semaine prochaine. Semaine prochaine? Ça marche. Salut, prochaine. N'oublie pas que tu es toujours en partage d'écran. Josette, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Merci, à vous aussi. Vous êtes dans quel département, Josette? Là, je suis dans l'Ardèche. Ah bon? Ben, j'habite à Montélimar, moi. Ah, on n'est pas loin. Ah ben non.